Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo kiff la technique. Désolé pour l'autofocus et pour le prochain modèle de la caméra. Donc là, c'est juste quelques conseils sur les plaquettes, les cartes mémoire là. Ce qui compte, c'est la vitesse, hein, si vous faites de la HD ou du Full HD, d'autant plus, hein. Je vous rappelle, du Full HD, c'est 1920. Si cette image prenait tout l'écran, la carte là. 1920 de largeur, puis il y a 1280 lignes, hein. Donc tuc, l'ordinateur stocke tout ça, le capteur mémoire commence là, il enregistre tous ces pixels, hein, les éléments d'image, picture elements, c'est l'anglais. Oui, et oui. Et puis là, il y a 25, 50, 30, plutôt 30 ou 60 fois par image par seconde. Il y a 30 ou 60 puzzles. Par exemple, s'il y a une goutte d'eau qui tombe, le puzzle d'après, là, ici, il sera pas, le pixel sera différent, la goutte sera plus bas, elle sera en train de tomber. Donc, 60 fois par seconde, on stocke une image. 2280 de large fois 1024 de haut, si vous êtes en HD, ou alors si vous êtes en VGA, Video Graphic Adapter, c'est vieux, c'est des années 90, hein. C'est du 640, ici, fois 480. Donc, c'est-à-dire que les points seront plus gros. Il n'y a que 640 points ici pour écrire Speed Flash au lieu de 1200 et tout. Ils seront deux fois plus gros, les points. Pour arriver au bout du puzzle avec moins de pièces, il faut qu'elles soient plus grosses, hein. Donc, 680, 640 de large, 1280, donc le double. Les pièces sont deux fois plus grosses. Ou deux fois plus petites si vous parlez du Full HD, hein. Et ce qui compte, c'est la vitesse de transfert. Toutes ces images, tous ces puzzles, ils viennent stocker dans la plaquette, là, dans la mémoire, quoi. Là, il y a 4 gigas, donc c'est fou, hein. Ça fait je sais pas combien de fois la Bible, combien de fois ça fait je sais pas combien de fois la Bhagavad Gita, hein, c'est le livre d'ici, hein, c'est leur dieu ici. Et puis le Coran, je sais pas, il faudrait faire les calculs, ce serait intéressant de voir le nombre de fois qu'on peut stocker le Coran, le Bhagavad, tous les beaux livres, les gros livres de l'humanité, quoi. Donc, waterproof. Donc, moi qui vais aller faire du rafting, kayaking, parfait, hein. Ensuite, on a shockproof. Donc voilà, donc mince, elle tombe, bloum bloum, elle se fait écraser, cruncher, là c'est le talonnette, c'est lourd, hein. Enfin, c'est la pression est énorme sur un talon, puisque tout le poids est réparti. Pour les femmes, des fois c'est ça, hein. Un centimètre carré, il est pas, il y a tout le poids qui l'impact chaque fois qu'on marche avec des talons aiguilles. La pression, enfin le poids est tellement petit ici que ça fait. Vous avez déjà remarqué, des fois elles s'enfoncent dans les trucs parce que magnet proof. C'est intéressant à l'aéroport pour passer le portique sans faire effacer vos dossiers précieux. Là, ben oui, vous allez mettre de la vidéo, des images, des photos, mais vous pouvez aussi mettre. Regardez une photo d'un méga, vous en mettez 4, ça fait 4 mégas, ça fait 4 gigas. Donc vous mettez 4000 photos, hein, là-dessus, c'est giga, méga. Voilà, ben, on est habitué maintenant, ça fait un moment qu'on est là-dedans. Hein. Donc 80, voilà, je parlais de mégas, ils sont là, hein, donc c'est 1000 fois plus petit que les gigas. Donc s'il y avait 4 mégabytes seconde, il faudrait 1000 secondes pour remplir la carte. 4 mégabytes seconde fois 1000, 4000 mégabytes, 4000 égale 4 gigas, c'est comme les kilos, hein. 1000 grammes, ça fait 1 kilo. Donc 1000 mégas, c'est 1 giga. C'est facile, ça, enfin, vous savez, enfin, maintenant. En tout cas, hein. Et puis, donc, si on compte sa vitesse de transfert, là, c'est marqué 80 transfer speed. Mais il faut voir si c'est pas en écriture ou en lecture. Si on compte, c'est d'enregistrer, hein, à toute vitesse. Donc, en full HD, il faut y aller, hein. Donc, voilà, quoi, c'est juste un petit aparté. Mettez notion, regardez qui c'est, ces caractéristiques. Puis vous stockez, vous faites juste un dossier sécurité, vous l'appelez, et mettez des scans de vos numéros de carte de crédit, vous pouvez les prendre en photo, mais vous les mettez dans un dossier sécurité, caché, ou pas, ou crypté, ou pas, par mot de passe. Mais je veux dire, vous avez avec vous, en plus des photocopies dans votre valise, donc quoi qu'il y ait, vous avez dans le téléphone tous vos dossiers sensibles, s'il faut tout à coup appeler, s'il y a une urgence, rappeler dans votre pays. Ça rassure d'avoir toujours à double, à triple des numéros de téléphone importants. Voilà pour cette vidéo de la série je kiffe la technique. C'était pas un HD 4K cette fois, mais ça viendra en s'équipe, on s'équipe. Je vais partager avec vous justement tout ce que je découvre. Je commence aussi, hein,
Donc, moi aussi, je vois ça, je calcule, je regarde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais il marque vitesse de transfert, mais la vitesse de lecture. Puis la vitesse d'écriture, c'est des fois la moitié. Donc, regardez bien sur les, ce qu'il vous faut. Et puis, à mesure, je fais des tests, je vous montre. Vous avez vu, il y avait le micro, il y a les perches, j'en essaye plusieurs. Il y aura des trépieds qui vont arriver. Il y aura d'autres choses. Hein. Pour le moment, à la prochaine. Simon Production vous salue bien. Et je vous dis merci d'être là parce que c'est pour vous tout ça aussi. C'est pour moi, pour tout le monde. Hein. C'est toujours comme ça, hein, l'humanité. On découvre, on essaie, on partage et c'est comme ça qu'on avance tous et on gagne du temps. Voilà, merci pour votre temps d'ailleurs. À la prochaine. Au revoir.